L'œil de Philippe Cavrivière. 7h54, Philippe, notre invité Fabien Roussel est bien entendu resté pour votre chronique. Au lendemain d'une manif réussie, d'une manif à taux plein, punchline de l'invité, on est obligé de passer motivé de Zebda. On aime bien Zebda en plus. La chanson des cortèges, non, tu peux pas y couper. C'est comme ça. C'est comme un mariage à 2h du mat, le DJ crie « Bon, dernière chanson !» Évidemment, là. Ah, là, nous, à droite, on lui dit « Pas ta gueule à notre Michel !» On pense à Dominique Tenza qui nous écoute. Pareil, bon, mais tu vois, s'il y a un apéro chez Morandini, tu sais qu'à un moment donné, sur la playlist, il y aura... C'est des passages obligés. Les gens l'attendent. S'il n'y a pas ça, ils sont déçus. Alors, je récapitule notre semaine, les invités de la semaine, Amandine. Ah, putain, lundi, on est parti, on était là. Oui. Brad Pitt. Et puis bon, bah, après, derrière la piste noire, quoi, t'es obligé de descendre après. Jordan Bardella. Mardi, mercredi, Gérald Darmanin. Hier, le jovial François Omri. Et là, aujourd'hui, on remonte un peu avec Fabien Roussel. Bref, une semaine 100% couille. Et putain, on n'est pas bien là, sans les bonnes femmes. Ah, je peux te dire, on n'a pas causé Thermomix cette semaine. Non. Je peux te dire. À RTL, on a pris des bonnes résolutions en 2023. Moins de bonnes femmes, plus de sujets sérieux. Alors, Fabien Roussel était présent à la manifestation parisienne contre les retraites hier après-midi. Oh, comme c'est bizarre. Ah bah oui, secrétaire national du PC qui est à la manif, c'est bizarre. On connaissait le leader politique Fabien Roussel, le Georges Marchais de la Bavette, le Karl Marx du Gigot. D'agneau, on a découvert le danseur, ah oui. On a découvert le chorégraphe. Vous avez exécuté, et le mot exécuté prend tout son sens, une très jolie chorégraphie avec les militants d'attaque. Alors, sur le fond, c'est très bien. Sur la forme, Fabien, on va pas se mentir, esthétiquement, on n'était pas à l'Opéra de Paris, c'était pas du Benjamin Millepied. Bon, Fabien a la danse dans le sang, mais il a une mauvaise circulation. Je ne veux pas briser vos rêves de gosse, mais vous avez plus de chance sur Top Chef avec un steak qu'à Danse avec les Stars avec un tutu. Voilà, bon, encadrons les cadres. Est-ce que vous avez vous-même manifesté hier, Philippe ? Oui, voilà. Mais de chez moi. J'ai fait un sitting sur mon château d'Axe, un canapé d'angle en cuir retourné. Je voulais manifester, mais bon, c'est à cause de Louis, vous avez vu le temps. J'ai dit ça va, non merci. Ma colère sociale est indexée sur les températures. Moi, en dessous de 4 degrés, mettez-moi la retraite à 87 ans, j'en ai rien à foutre. J'aurais été un très bon manifestant, mais à Fort-de-France. À Fort-de-France, oui. Paris, non, c'est pas. Alors Philippe, je crois que vous avez une très bonne connaissance du Parti communiste français. Je suis un politologue, historien, et d'ailleurs, ce qu'écrivait Karl Marx en 1865 résonne terriblement avec l'actualité, et je crois que Fabien sera d'accord avec moi. Karl disait, wir wollen die Leute nicht von unserer Idee überzeugen. Wir wollen der Fortschritt reduzieren, sodass sie nur unsere Idee ausdrücken können. Je crois qu'on est tous d'accord. Eh bien, c'est bien, je ne vous félicite pas, vous venez de dire qu'on était d'accord à une citation de Joseph Goebbels, et vous avez tous acquiescé. Ben, vérifiez vos sources, mais enfin... Vous refusez de faire allemand seconde langue, pour vous dire. Alors, Fabien Roussel a figé les féministes comme Sandrine Rousseau, qui sont pour le droit de la paresse. Oui, Sandrine Rousseau est pour le droit à la paresse. Notre Louis Baudin est pour le droit à la caresse. Chacun ses combats. Et je rappelle que l'établissement de massage préféré de Louis Baudin, le Petit Bambou, reste ouvert pendant les grèves. Le personnel étant asiatique, le droit du travail n'est toujours pas en 1936 non. Là-bas. Oh non. Donc, c'est ouvert 7 jours sur 7. Mais revenons à vous et Sandrine Rousseau. Oui. Entre vous et la fléministe... La fléministe. Oui. C'est tendu. Je te dis que t'es tendu. Tu vas pas commencer à jouer avec mes couilles. Hein. Ah bah il est direct, Fabien. Toi, tu vas pas commencer à jouer avec mes couilles. Bref, vous êtes en bisbille avec Sandrine. Oui. Vous êtes un peu comme Gérard Piqué et Shakira. Ah oui. Je crois que c'est la première fois qu'on compare Sandrine Rousseau à Shakira. En effet. Elle m'en sera grave. La manifestation contre la réforme des retraites a été un succès oui. Dans toute la France. Oui, dans toute la France. Fabien, mais aussi Philippe Martinez, le Tom Selleck Leader Price, avait de grandes ambitions. Il y a 3 jours, vous étiez comme les inconnus dans Les Trois Frères. Eh putain, ce matin, c'est le triomphe. Mais au final, ça change quoi? À 1 million, Macron aurait pris acte. À 2 millions, bah... Il a noté, mais il s'en branle pareil. Vous auriez pu faire 10 millions, il s'en serait battu les glaouis avec un poêlon à raclette, ce qui est assez douloureux quand même. Oui. Moi, je trouve ce qui manque, c'est l'écoute, c'est l'humanité. Voilà. Et on se dit que, alors certains disent que la réforme va passer quoi qu'il arrive. Et je ne sais pas si à la fin, Macron va faire avec Philippe Martinez comme il a fait avec Kylian. Est-ce qu'il va le prendre dans ses bras en lui mettant des petites claques paternalistes et en lui disant « C'est pas grave, mon filou, elle était bien ta manif. »
On a le temps pour faire un petit moulou pas mourir. Oh, on a tout le temps. Vous rappelez la règle. Hein. Je rappelle la règle. Je vous donne un nom de célébrité. Vous me dites s'il est mouru ou pas mouru. Vous jouez pour un week-end déconstruit en pension complète avec Sandrine Rousseau. Vous pourrez relire la collection complète des œuvres d'Annie Arnaud. Ah. Ne faites pas exprès de perdre. Oui. Attention. Allons-y. Sœur André. Oh ben mouru. Mouru, mais on vérifiera. Ah. Parce qu'elle ne bouge pas, mais elle ne bougeait déjà pas avant depuis un moment. Donc, on va la pousser quand même pour voir si c'est. Oui. Gina Lollobrigida. Mouru. Mouru. Gino Lollobrigido, son frère. Je ne sais pas. Eh ben, il n'existait pas. C'est pas ah, voilà, oui. Constantin II, roi de Grèce. Pas mouru. Et non, il vient de mourir la semaine dernière. Enfin, suivez, c'est la Grèce, c'est votre deuxième patrie. Bah, oui. Robert Hue. Pas mouru. Pas mouru. André Lajoigny. Pas mouru. Ah, pas mouru, c'est bien, on révise, c'est bien le PC. La hanche de Raphaël Nadal. Mouru. Bah, un peu mouru, mouru cette oui. semaine. Son genou est décédé l'année dernière et ses cheveux du dessus sont décédés il y a 10 ans, en 2013. Aldo Macione. Pas mouru. Pas mouru. Pas mouru, bravo. Ah oui. Pas mouru. Non. Georgette Plana. Mouru. Ah oui, mouru. Là. Georgette Lemaire. Mouru. Non, non, il vient de tuer Georgette Lemaire. Georgette, je suis désolé. Oh, Georgette, si tu nous écoutes. Oui. Georgette Michael. C'est la mère de George Michael. Je pense mourue parce que. Elle est mourue, la, soeur, la mère de George Michael. La retraite de Noël Le Graët. Bah, elle n'est pas mourue. Elle arrive, c'est là. Elle pourrait arriver, oui. Et le mariage d'Amandine Bégaud, eh ben, il vacille un peu non, depuis sa rencontre avec mourue, Brad Pitt. Il n'est pas mouru, mais il en a pris un coup dans l'aile au Bristol. Qui a gagné ? C'est Cyprien, je crois, non ? Cyprien, oui, non. Cyprien a gagné. Oh, ouais. Et on rappelle le cadeau ? Ah ouais. C'est un week-end déconstruit avec Sandrine. Ah ouais. Je partage, si quelqu'un veut. Et les œuvres complètes d'Annie Arnaud. Viens danser, viens donner des baisers. L'œil de Philippe Cavrivière, on trouve sur le site et l'application mobile en podcast. Merci d'être resté avec nous, Fabien Roussel. Bon travail. Merci à vous.